Je vais féliciter ceux qui sont venus avant moi, notamment le vice-président Fode Oussou Fofana, pour le discours de conviction qu'il a prononcé, discours qui était parfois émouvant, mais surtout mobilisant aussi les militants de notre parti. Le discours de la présidente des femmes, Hadja Maimouna, aussi montre à quel point les femmes sont déterminées à continuer cette lutte. Avant, les jeunes avaient déjà parlé. Nous sommes dans la même direction. Nous œuvrons dans la même direction. C'est de ne pas accepter des compromissions lorsqu'il s'agit de la démocratie et de l'état de droit. Je vais commencer par remercier d'abord nos nombreux compatriotes qui ont exprimé leur indignation et m'ont apporté leur soutien suite à la tentative de spoliation, mais surtout d'humiliation de votre président. Cette indignation et ces soutiens sont venus de partout, de toutes les formations politiques, de toutes les catégories socio-professionnelles, des Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains se sont déplacés. Toute l'équation politique existante actuellement ont pratiquement fait le déplacement vers mon domicile pour exprimer leur indignation et me marquer leur soutien et leur solidarité. Je voudrais ici, devant vous et en votre nom, et au nom des militants et responsables du parti qui ne sont pas ici, leur exprimer mes sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude. Fode Oussou l'a dit, l'objectif visé dans cette opération, ce n'était peut-être pas la récupération d'un terrain, c'était d'humilier. Mais, comme il l'a dit aussi, cette entreprise d'humiliation a échoué. Parce que grâce à notre communication, tous les hommes, tous les Guinéens sensibles à l'injustice ont marqué leur soutien au président de l'IFDG, à sa famille et au parti. Donc au lieu que nous soyons humiliés, nous avons été grandis. Parce que les faits sont là, pertinents. Ils ont mal choisi le dossier. Parce que dans ce dossier, il n'y avait absolument rien à dire. Je ne reviens pas sur ça. Ça, c'est le passé. Mais simplement, on essaie de dire quel était l'objectif visé. On vous envoie une lettre. On vous dit de sortir d'un bâtiment que vous avez acquis dans toute la légalité. Je ne reviens pas sur ça. Et que ça vienne du patrimoine bâti qui a représenté l'État, qui a encaissé mon chèque et qui m'a fait la quittance libératoire et qui a adressé la même quittance à la conservation foncière à laquelle le patrimoine bâti demande d'établir le titre foncier à mon nom. C'est sur mon patrimoine qui m'écrit pour dire de quitter le bâtiment d'État. Donc, ces anomalies ont été relevées. Tout le monde a compris. L'achat au prix du marché, parce que l'évaluation a été faite. Le paiement effectif, parce qu'on a vérifié l'authenticité de tous les documents. Le titre foncier, le chèque, les quittances, l'encaissement par le patrimoine bâti du chèque de banque délivré par la Société Générale. L'accord de prêt qu'on m'a accordé et qu'on a signé, l'échéancier qui était associé, tout était là. Je ne veux pas insister là-dessus parce que pour moi c'est terminé, je ne vais plus en parler. Je laisse la justice, le terrain, la maison, c'est rien. Pour moi ce qui m'intéressait, c'est mon honneur. Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales. Vous savez, je suis invité à toutes les conférences. Je suis vice-président, premier vice-président de l'International Libéral. Lorsqu'on salit mon image, ces gens me font confiance. Pourquoi moi, elle m'a élu? Il y a beaucoup de cadres. Lorsqu'on affirme
dans la presse que je me suis emparé d'un bien de l'État dans des conditions illégalières, voyez le préjudice que ça m'a fait. Mais ce n'est pas les organisations internationales qui me consultent ou qui m'invitent à toutes les réunions, qu'on parle de finances, de monnaie ou de sécurité. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le peuple de Guinée, qui m'a exprimé sa confiance d'abord en 2010. Imaginez les résultats officiels, 44% de suffrage de Guinéens en ma faveur. C'était une grande confiance. Il y avait juste 2 ans que je commençais à faire la politique. Alors, on a cherché à expliquer ça. On a mis de côté la vraie explication. C'est la crédibilité et la confiance qui m'a donné ces résultats. Même s'il était minoré par rapport à la réalité, il n'y a rien qui m'est plus cher que cette confiance. Je ne sais pas trahir de confiance. Et la relation entre le général Lansana Conté et moi était aussi fondée sur ça. Lorsqu'on atteint, on essaye de porter préjudice à ma réputation et à mon honneur, je ne me fâche jamais. Mais là, j'étais fâché. Parce que ça reposait sur rien. Donc Dieu merci, grâce aux explications fournies, aux documents exhibés, les Guinéens ont compris que c'était un complot, simplement. Mais ce que je déplore, parce que je suis un homme d'honneur, c'est de voir cette culture qui est en train de s'ancrer dans les pratiques politiques humiliées. J'étais Premier ministre, avec mes collaborateurs, on a travaillé pour ce pays. Grâce à l'aide de Dieu, on a eu des succès. Il y a des résultats. Pourquoi on aime humilier les gens? Parce que même si l'État a besoin de ce terrain, moi en tant qu'homme politique, pour cause d'utilité publique, il dit je veux le terrain, je le donne. Parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée. Ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On m'a dit, il y a une cause d'utilité publique, je n'accepterai pas d'être indemnisé. En tant qu'homme politique, je l'aurais donné. Pour montrer à quel point je suis déterminé pour soutenir le peuple. Encore que le code foncier domanial donne le droit, c'est la seule personne morale qui a le droit d'exproprier, mais à 3 conditions. Première condition, pour cause d'utilité publique. 2e condition, qui comporte 2 volets, c'est pourquoi j'ai dit 3, après une juste et préalable indemnisation. Parce que dans un état de droit, la propriété privée est sacrée. Et l'État, le rôle de l'État, c'est de garantir la jouissance par les citoyens de leur propriété privée. Et de protéger la propriété privée. Ce n'est pas de la mettre en cause, en dehors de toute règle et procédure. Bref, je parlais de cet aspect pour remercier les nombreux compatriotes, croyez-moi, certains ont envoyé des textos, d'autres ont écrit des mails, d'autres encore sont venus à la maison, d'autres encore ont téléphoné, en dehors de l'UFDG, souvent. Et donc ça nous a grandi. Parce que lorsque le Guinéen connaît la vérité, il la soutient. Donc, je tenais vraiment ici et devant vous solennellement, ils sont nombreux, je ne peux pas les nommer, les remercier pour cette marque de confiance. Ils sont indignés. Parce que ça ne fait pas avancer un pays. Je sais qu'il y a beaucoup de cas, on mélange. Il y a des fonctionnaires qui ont rendu d'éminents services à la nation, que je connais, qui occupaient des logements appartenant à l'État et qui payent des loyers au service des logements. Après leur retraite, ils ne sont pas partis, mais ils continuaient de payer. Ils ont des contrats
On les a pris pour des délinquants. On les a humiliés. Je connais certaines de ces personnalités. Je prends le docteur Naman Keita, ancien ministre de la Santé, membre du bureau politique du RPG. Il habitait un bâtiment appartenant au service de logement. Mais on l'a vidé en 24 heures. Imaginez. Un ancien ministre qui a signé au nom du pays et qui continuait qui était à jour du paiement de ses loyers. On ne peut pas l'appeler dans 3 mois, rendez-nous la maison. Au lieu d'humilier la force, la réconciliation exige qu'on renonce à ça et qu'on se respecte. Le respect et la considération sont nécessaires pour la réconciliation, pour l'unité et la cohésion sociale. Dungal, Bingé, tout le monde aime ça. Lorsqu'on est au pouvoir, on a la force et la puissance, on doit nous donner l'exemple dans cette direction, qu'on se respecte. Je connais El Arsaïdou pour Dakar. C'était nos idoles lorsqu'on était jeunes, cadre dans l'administration économique et financière. Un fonctionnaire honnête qui est resté 51 ans. Et un jour, si on veut qu'il s'y... On ignore tout ce qu'il a fait pour la nation. C'est un fonctionnaire exemplaire. Vice-gouverneur, ambassadeur au Nigeria, directeur général de CERCOM, directeur général de COFICOM, directeur national, directeur général du Crédit National. Quelqu'un qui était respecté par le président Sékou Touré, par le président Conté, et qui était à la disposition de la nation pour vous. Un cadre brillant. On les sort comme ça. J'ai cité ces deux exemples, je connais d'autres. Peut-être que tout ça, c'était pour justifier la spoliation et l'humiliation d'un cadre politique. Il peut gêner des agendas cachés, peut-être. Mais il y a des méthodes. La dignité humaine doit être respectée. Tant qu'on ne se respecte pas, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Quelqu'un qui est humilié n'est pas en paix. Et la paix, c'est la paix du cœur. On fait beaucoup de débats sur la paix. Je vous ai dit ici à plusieurs reprises. Il ne suffit pas de rappeler les vertus et les avantages de la paix pour avoir la paix. Il ne suffit pas d'exhorter tous à la paix. Il faut identifier les sources de conflits et les éliminer. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, dit-on. Mais il y a combien de Guinéens qui ne sont pas en paix? Parce que tu as peur qu'on te spolie. Parce que tu sais que tu n'as pas de recours. Si tu es agressé, violenté, escroqué, si tu vas devant la loi, il faut payer. Et parfois, même en payant, tu n'es pas rétabli dans tes droits. Si je dis qu'on veut un état de droit et que c'est l'une des missions, des ambitions de l'UFDG, c'est pour que les citoyens soient en sécurité, donc en paix. Et qu'il y ait une justice forte, indépendante, qui constituera un recours infaillible pour le citoyen, pour les entreprises, pour les investisseurs. Pour obtenir le respect, assurer la sécurité des biens et des personnes, mais également la sécurité des contrats. C'est ça, respecter le droit de propriété. Donc, ça c'est un projet, un programme de l'UFDG. Moi, mon engagement politique, c'est pour obtenir, mettre en place cet état protecteur de tous. Je le dis d'autant en poulard pour que Fou, Noé Nete Dao, Kadjibina Dao, Parti Kawon Dao, Dina Kadjoku Dao, Lenyol Kayaltu Dao, Harada Dadi, Hida Dandi, Hida Teddi, Fanama Abona.
Donc, je ne voulais pas parler beaucoup, je suis en train, mais je me réjouis de l'échec de cette entreprise d'humiliation. Parce que le terrain n'était pas un enjeu pour moi. L'enjeu, c'était l'honneur et ma réputation. Elle a été sauvée et les Guinéens ont compris. Il y a eu des préjudices, des séquelles au niveau de la communauté internationale. Parce que lorsque Réfi parle, mais là aussi, on va laver, Inch'Allah. Comme vous le savez, nous avons gagné l'élection présidentielle du 18 octobre. On a réuni toutes les preuves et on a revendiqué notre victoire. On a refusé de reconnaître l'hold-up qui a mis Alpha Condé au pouvoir. Malgré la répression sauvage qui s'est abattue pour nous, sur nous, 51 morts, des centaines de prisonniers, nos locaux occupés, le matériel détruit, nos droits et libertés de voyager, pour ceux qui n'étaient pas en prison, ont été suspendus. Nous n'avons pas fléchi. Nous avons dit non. On réclame notre victoire, on ne reconnaît pas le pouvoir d'Alpha Condé. Toutes sortes de pressions ont été exercées sur nous. Nous avons dit non. Notre rôle, c'est de défendre la vérité. Nous avions les preuves de notre victoire. Nous avions les preuves qu'Alpha Condé a été déclaré vainqueur alors qu'il n'avait pas gagné dans les urnes. On a donné beaucoup d'exemples. Tout a été falsifié. Comme on avait nos jeunes, je liste juste, mais les preuves existent. Et lorsque le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pris le pouvoir, nous avons décidé plusieurs choses. La première, c'est de renoncer. Comme il a annoncé qu'il va organiser des élections, et que nous n'avons pas peur des élections, nous n'avons peur que de la fraude, nous avons décidé de renoncer à notre victoire du 18 octobre. Première décision. On a dit non. Comme il dit, on va aux élections, ce sera un exercice de contrôle de ce qui s'est passé. Et nous étions prêts. Puisque l'entraînement concluant qu'on a fait le 18 octobre, tous les éléments étaient disponibles, les assistants techniques. Tous les schémas, tout était là à la disposition. Ils disaient que c'est dans 3 mois, l'UFDG sera prêt. On venait de sortir des élections du 18 octobre. Nous avons des structures partout. J'ai dit dans tout le pays, il y a 12 ou 13 communes rurales où l'UFDG n'a pas d'élu. Sur l'ensemble des communes. On n'a pas présenté dans certaines communes parce qu'on a refusé nos listes. Certaines sous-préfectures de Bella et là, une sous-préfecture de Mandiana, la sous-préfecture d'origine du général Sangaré, qui était directeur général de Douane. Ils ont dit là-bas que c'est une seule liste, le RPG. Mais dans toutes les sous-préfectures de Guinée, on a des conseillers. Il n'y a pas, en dehors de ces 15 sous-préfectures, on a des élus partout. Parfois 4. Il y a une sous-préfecture de Cancan, rurale, où on a 4 élus. La commune urbaine de Cancan, on en a. Mandiana, on ne parle pas. Balandougouba, Koundian, dans tout Mandiana, on a. Et nous avons des sections dans chacune des sous-préfectures de Guinée. Il n'y a pas une seule où on n'a pas une section. Je ne dis pas un représentant, une section. On n'a pas peut-être de comité de base dans tous les districts, mais dans toutes les sous-préfectures, on a une section. Et on a au moins un élu en dehors de 15. Nous étions prêts. Tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde a été formé pour les élections. Donc, nous avons dit, renonçons à notre victoire, soutenons le CNRD. Parce que il a tenu un discours rassurant quant à l'issue de la transition. Et ensuite, il est vrai qu'on était les plus soulagés. On a récupéré nos locaux,
Nos prisonniers ont été libérés. Nos droits, nos passeports nous ont été restitués. Fodéoussou a pu enfin aller soigner ses yeux. Nous avions voulu porter plainte parce qu'on a détruit tout le matériel de sonorisation ici et ailleurs. Les ordinateurs hors siège, tout a été détruit. On a dit on est fondé à porter plainte contre l'État. On a dit non, l'État est aujourd'hui représenté par le colonel Mamadi Doumbia. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'on se plaigne contre eux. Abandonnons. Nous avons lancé un appel à nos militants et sympathisants. Et les gens ont tout assuré. Les chaises, on en a eu plus qu'on en avait besoin. Regardez, tout le monde est assis, il y en a ici. Les gens, discrètement pour certains, parce qu'on n'est jamais sûr, les gens ont cotisé, nous ont appuyé, ils ont donné le ciment, ils ont donné tout ce dont on avait besoin, au-delà. Donc, on m'a dit, on a bien fait de ne pas porter plainte pour ne pas porter ombrage au CNRD qui représente aujourd'hui l'État. On a abandonné. Et on a continué à soutenir. On a demandé aux jeunes d'applaudir, de sortir, abolir, manifester leur joie. J'ai fait le tour du monde. J'ai été en France, à l'Union européenne, aux Nations unies. J'ai rencontré les premières personnalités de l'Union européenne. J'ai dit, le CNRD n'a pas rompu l'ordre constitutionnel. Il était déjà rompu depuis le scrutin, le double scrutin du 22 mars et l'ordre électoral du 18 octobre. Ceci, les militaires sont déjà dans la direction de rétablir l'ordre constitutionnel. Parce qu'on était déjà en période d'exception. Il faut les soutenir, les accompagner. Partout. J'ai pu être reçu à Paris, au Quai d'Orsay, à l'Élysée. J'ai été reçu à l'Union européenne, à Bruxelles. Partout, les plus hautes personnalités. Je leur ai dit, vraiment, accompagnez la Guinée. Ne réduisez pas, ne suspendez pas la coopération économique et financière avec la Guinée. Le peuple souffre. Les infrastructures sont dégradées. Les gens souffrent. Si vous le faites, ce sera au détriment des populations. Et généralement, ils disent, on suspend tous les projets qui ne touchent pas directement la population. Je dis, tous les projets touchent l'intérêt de la population guinéenne. Je l'ai fait de bonne foi et je l'ai assumé en sortant. Alors, mais on constate, vous avez vu comment c'est qu'on nous a, le traitement injuste et discriminatoire qu'on nous a infligé dans l'attribution des sièges du CNT. Nous avons décidé, nous en avons parlé, nous avons déploré, trouvé que ce n'était pas juste. Mais nous avons ici même, et à plusieurs reprises, lancé un appel au colonel Mamadi Doumbia pour qu'il ne cède ça aux pressions de toutes sortes. Et d'éviter, comme ils le disent, les erreurs du passé. On prend notre temps pour éviter les erreurs du passé. Mais quelle a été l'erreur principale du passé? Tout le monde le sait. C'est d'avoir, en 2010, donné le pouvoir à celui qui ne l'a pas gagné. C'était l'erreur principale, sinon la constitution était bonne. On a organisé le premier tour le 27 juin 2010. Ça s'est relativement bien passé. Mais on refuse d'organiser à bonne date le deuxième tour. Parce que c'est là que ça a commencé. On ne pouvait pas perdre cette élection nulle part. Personne n'a compris. Comme la paix était menacée, les tensions de nature ethnique ont été artificiellement créées à partir de l'empoisonnement bidon qu'ils ont inventé au niveau du palais du peuple. Nous avons dit, sauvons la Guinée de violences qui pourraient déboucher sur la guerre. C'est pas. Je me souviens, quelqu'un me téléphone, qui était caché, il me dit, Koto, c'est un temps final, mais quand même, je suis là. J'ai dit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un, un homme, la responsabilité est personnelle. On a accepté pour qu'on passe le cap.
Mais comme lorsque vous donnez le pouvoir à celui qui ne l'a pas gagné, il a un problème. Les élections locales et les élections législatives étaient prévues en mars 2011. Mais il sait qu'il n'a pas gagné. Parce qu'il faut savoir, il faut faire l'audit du passé de manière objective. Les partenaires se retrouvent, viennent le voir pour lui demander qu'on accepte, après nous avoir vu, on a marqué notre accord, d'aller aux élections législatives en mars et l'Union européenne est prête à financer. Celui qu'on a installé au pouvoir, il dit non, qu'il n'organisera les élections que lorsqu'il sera prêt, parce que maintenant il y a un président démocratiquement élu. Premier conflit avec les autres politiciens, y compris nous. Parce que c'est le conflit. Or, la loi et la constitution prévoyaient que c'était joint. Et lorsqu'on parle de paix, on évite de faire l'inventaire des sources de conflit. Et donc, voilà un premier conflit. Et on s'est organisé dans le collectif, tous les autres partis politiques qui n'ont. On a volé notre victoire, mais on voulait aller au moins à l'Assemblée. Ils ont refusé 2 ans et demi de manifestation pour exiger des élections législatives et communales, même plus. Donc la paix se construit. Mais la première démarche pour quelqu'un qui veut la paix, où sont les sources de conflit? Parce que la violation des droits des autres est source de conflit. Et lorsque l'État arbitre qui doit rétablir les gens dans leurs droits devient source de violation du droit des citoyens et des associations, il faut dire que c'est l'État ou le dirigeant. Donc il faut amener l'État à jouer son rôle et non à faire la politique du parti au pouvoir. Source de conflit. J'écoute beaucoup parler de paix. Nous sommes à l'acte qu'on a posé en 2010. C'était un acte pour préserver la paix dans notre pays. Et lorsqu'on refuse de respecter la loi, la violation de la loi est source de conflit, surtout si cette violation porte préjudice à un citoyen ou à une association. C'est le cas de du refus d'organiser à bonne date des élections parce que le mandat des élus c'est dans la constitution de la République. À l'échéance, on n'est pas surpris. On doit les organiser. Lorsqu'on refuse, on crée des conflits. Si on manifeste pour exiger le respect de la loi, on dit qu'ils sont violents. C'est eux qui mettent en cause la paix. Alors qu'on tue les manifestants, non seulement on viole leurs droits, et lorsqu'ils manifestent par la voie légale pour exiger le respect de la loi, on les tue et on leur refuse la justice. Et on mène une campagne pour dire que c'est l'État, c'est l'opposition qui met en cause la paix. Donc tant qu'on ne fera pas un débat clair sur ces choses-là, on ne s'en sort pas. Il ne s'agit pas aujourd'hui, la Guinée, l'UFDG est attachée à la réconciliation des Guinéens. Il y a eu trop de violences. Mais la plupart des violences qui sont difficiles à pardonner et qu'il faudra nécessairement pardonner, c'est les violences d'État. Combien de militants de l'UFDG ont été abattus, des enfants de 12 ans qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement et à la moindre de justice. Leurs proches sont là. Ça, c'est source de conflit. Parce que la paix, d'abord, c'est celle du cœur. Est-ce que ses parents, leurs parents sont en paix? Non. On a tué ton enfant. Les autorités du pays refusent d'ouvrir une enquête. Refusent de partager ta douleur. Et te considèrent comme un ennemi de la République. Ça, ce n'est pas de nature à contribuer à la préservation de la paix. Je ne voulais pas faire un long discours après les discours qui ont été faits, mais je crois que je voulais juste remercier les gens et marquer un peu notre déception face à l'évolution, face à
l'évolution de cette transition. Pas parce que nous ce que nous avons subi. Nous voulons même ceux qui étaient hier nos adversaires, le RPG, aujourd'hui, nous sommes partenaires. Pas assumé, mais on a dit que nous n'avons plus le RPG, Alpha Condé ne sont plus nos adversaires. Parce qu'il faut que demain, lorsqu'on aura pouvoir, qu'on rassemble tout le monde, qu'on essaye sereinement d'examiner le passé et trouver les moyens, les voies et moyens, de réconcilier les Guinéens, de se pardonner. On ne peut pas régler tous les problèmes, toutes les violences et toutes les violations des droits humains par la justice. Mais c'est déjà la justice lorsque le droit à la vérité, le droit à la réparation, lorsque c'est possible, sont assurés, les gens peuvent pardonner. Parce qu'on ne peut plus reconstruire une vie qui est perdue. Et nous sommes des musulmans. Nous sommes des croyants, pas des musulmans seulement, à l'UFDG. Nous sommes des croyants. On a des arguments dans nos religions respectives pour se pardonner. Pour qu'on essaye d'engager la Guinée sur un nouveau départ. Autour du respect de certaines valeurs. Faire-t-on, on va faire la promotion de l'éthique, de la probité, de l'honnêteté intellectuelle, de l'amour du prochain. Pour arrêter les haines et les violences qui créent des injustices. Nous avons dit dans notre discours d'entrée en campagne 2020 que c'est le pardon la solution. Mais le droit à la vérité, le droit à la réparation lorsque c'est possible, c'est déjà une partie du droit à la justice. Je vous remercie et bon week-end.